Ce samedi soir, l'équipe senior du FCBA recevait la réserve de Bayonne en championnat régional 1. Solide en défense, les hommes de Steve Savidan ont finalement vu leurs occasions concrétisées par un doublé de Jérémy Wim en première mi-temps. Avec deux autres buts dans la seconde période, l'équipe n'a laissé aucune chance aux Bayonnais et s'impose 4-0. Le FCBA reste invaincu en championnat cette saison. Une première mi-temps à notre avantage avec beaucoup de déchets techniques. Une difficulté dans la relation sur le milieu de terrain qui a été très très bien gérée par le coach à la 35e minute par un changement. Et suite à ce changement, il y a deux buts consécutifs qui sont à mon avis en grande partie liés à une amélioration de la relation milieu-attaquant. Ce match, on l'aborde sur les 7 matchs consécutifs qui est une première pour le niveau et qui n'a jamais été présenté en championnat de Ligue d'Aquitaine. Donc une grosse difficulté à gérer, un effectif et on a préparé les coachs ont préparé le groupe dans cet intérêt-là de bien finir cette saison sur ces 7 matchs, cette moitié de saison. Elle a commencé en août, mais depuis 3 mois, nous n'avons fait que 4 matchs de championnat. C'est le 5e. Et on en aura 7 en 6 semaines. Sur cette première partie, l'objectif est atteint, une vraie cohésion de groupe, une vraie entente et l'arrivée sur le groupe senior de 3 coachs nouveaux. Donc l'entente a prise et on a des résultats positifs sur l'équipe première dans le sens où nous sommes toujours invaincus. Exploit non, on souhaite être le plus longtemps possible dans la course à ce qui pourrait être le meilleur résultat possible, à savoir l'accession à N3, bien que ce ne soit pas l'objectif, une fin en soi pour le club. On va dire que c'est faire du mieux possible, et sachant que le mieux possible, ça peut être la première place.